Bonsoir les aventuriers, bienvenue dans cette session multijoueur sur Stellar Overlord. Je vous ai fait une petite vidéo sur la Early Access 5 qui est la dernière en date, et malheureusement peut-être la dernière, mais ce jeu est déjà extrêmement abouti. Notamment on peut jouer avec des potes et on va voir ce que ça donne justement cette dynamique spatiale d'aventure. Avec, comme d'habitude, le sidekick, nous avons Chica. Bonjour, bienvenue dans la qualité des arêtes. Et ce jeu permet de jouer à plus que deux, donc on a exceptionnellement avec nous Hunter. Eh hey, bonjour les bricolos. Vous avez vu ça, ce qu'il est capable de faire? Et nous avons un quatrième là. Car, qui n'est pas des moindres avec nous, bonsoir, Mildew. Bonsoir, bienvenue dans l'écume. Nous on est à la raffinerie et si on va ici, il y a le terrier et Orko il est là-dedans. On va retourner là-bas pour lui dire, regarde, on a réussi la mission que tu nous as donnée. Il y a quelqu'un qui fait des pétarades. Il y a une porte qui s'est ouverte aussi là. Ah mais il y a un téléporteur direct. Impeccable. Donc faut aller où là? Hop là. Faut venir dans l'autre pièce les gars. C'est pas grave, ça. J'arrive. Et là on a un interrupteur. Là. Qui va nous ouvrir. Yo Mildew. Qui nous ramène aussi à l'Orient, qui a réouvert. En fait, tout à l'heure, on avait un raccourci pour venir. Ah oui, d'accord, c'est si on voulait sortir pour se rééquiper, il y avait un raccourci. Et là, on est à l'entrée. Voilà. Non, je sais. Ah, je suis monté dans un ascenseur. J'ai peut-être le réactiver pour vous emmener quand même. T'es allé où, toi? Je vous attends, il y a un. T'as pris le téléporte ou pas, du coup, dans la pièce? Ouais, tout à fait. Je suis arrivé de. Il faut prendre le téléporte. Je te vois. Je te vois, t'as qu'à me suivre, tu vas me retrouver. Coucou. J'attends que les guys arrivent. Je vois Hunter qui est pas loin. Ouais. Moi, je n'ai plus de vie. Je suis j'ai un medikit si tu veux, Arnaud. Mais il faut monter l'escalier derrière le boss oui, en fait. Ça. Il y avait une pièce avec des escaliers à monter. Putain, je vais les chercher. Et en plus tout est en bloc. Je vais m'acheter un petit drapeau de guide. C'est ça qui est génial, c'est en plus de la beauté, on peut interagir avec tout. Il y a du lichen, je le ramasse. Là, bah tu montes et en haut il y a un téléport. Ah bah j'y étais. Ah t'as pas vu le téléport? Est-ce que dans cette pièce là, il n'y a pas un plissier en haut? Tout en haut t'as une pièce à gauche en haut. Si, je sais plus. Non, merde. J'ai fait le couillon. Hop. Ouais. À gauche, c'est ce qu'on avait fait. Je reviens en arrière. Derrière, c'est derrière, j'ai par là. J'ai fait du caca. C'est quoi dans ça s'appelle faire du caca. C'est un geste technique. Que tout a été vidé. On incarne guide nos aventuriers. On profite du design. Ici, on a dû se protéger, non? Ouais, on avait bloqué derrière. Il y avait une tour. Donc, c'est où votre ascenseur? Alors venez, c'est un ici, truc laser. J'attends qu'il y ait trois individus posés dessus. Il nous manque qui? Ami Juke est pas loin, il nous rejoint. Ça y est. J'ai envie de voir les biomans réunis. Voilà. Hop là. Rouge, jaune et bleu. Venez Mildew sur la plateforme s'il vous plaît. On va grimper. Il regarde s'il y a du matos à récupérer ou pas. Bonjour les copains, ici il y a un interrupteur. Oh là là. Oh regardez-moi ça. Si c'est pas beau. Regardez les effets là. Avec vos jetpacks, j'adore. Putain, ça défonce. C'est juste un plaisir esthétique. Ça les compte aussi. Avec les bâtons. Ah d'ailleurs, faut faire gaffe parce qu'on peut se faire, on peut se blesser. Alors j'ai vu les gars. Ouais. Dans le codex. Ouais. Y a des trucs de ouf quand même en matos. Comment ça s'appelle le truc que j'ai vu? Oh des motos. On a chacun une moto. Oh ah oui. Si c'est pas bon ça. Ah oh, le gang. Pas besoin de s'emmerder à les faire. Trop bien. Oh, alors attention, j'ouvre la porte. Et là, on voit le monde extérieur. On va découvrir le monde extérieur en moto. Alors, par contre, moi j'ai l'ascenseur qui a fait des. Alors, l'ascenseur est niqué. On va le renvoyer en bas et on va sauter. Voilà. Est-ce qu'il est reparti ou pas? Non, il est coincé. C'est la merde. Un petit bug sur l'ascenseur. Hunter, il est cuit. Comment on tourne déjà? Oh putain, Nico il fait des roues arrière. Ah, mais je vais sortir, je suis dehors, regardez-moi ça, la planète cubique. C'est la merde, c'est de la folie, ce jeu, putain de merde. Je suis bloqué moi. Regardez-moi ça, la beauté du design de ce putain de bâtiment. Et je vous vois à l'intérieur bloqué comme des cons. Moi j'ai bourriné, hein. L'ascenseur est bugué. Mais on va faire un. On va mettre des blocs, on va faire un tremplin. Ah le délire, ils sont obligés de faire fumer le système. Je quitte ma moto. On va juste faire un tremplin tout simplement. Il y a des planètes, putain, quelle tuerie.
Non, c'est aussi, putain. Alors, est-ce que je peux rejoindre? Moi, je suis juste au bord. Putain, le bâtiment. C'est tout le bâtiment qui bouge ou quoi? Non, c'est ma moto. Je suis à 1 cm de pouvoir grimper sur le toit, mais je peux pas. Parce que la hauteur de la moto dépend de ce qu'il y a sous elle. Oula, qu'est-ce qui se passe? C'est bon, je suis passé. Ah non, je suis pas passé. Il y a Hunter qui me bloque. Oh, oh, je prends une autre moto, il en reste une autre. Ah, mais j'ai pas envie de la... La bloquer, moi. Ah, ça y est, j'ai réussi. Non, j'ai pas... Je suis en train d'essayer. Hop là, faut faire un créneau. J'ai l'impression d'être dans Austin Power à faire un créneau dans un couloir. Alors si je descends, je vais être niqué, moi. C'est dommage. Je suis très mauvais dans les créneaux. Ça y est, je suis passé. Alors là, il faut que je redescende dans la gravité. Regardez le bordel à l'intérieur. Mais comment ça se fait que vous n'arrivez pas à passer? Je suis bloqué. Mais les motos, elles veulent pas passer. Faut appuyer sur espace pour monter en altitude. Et ça permet de passer au-dessus, normalement. Déjà tourné, j'arrive pas. J'arrive pas à tourner non plus. Gueule. C'est avec les flèches, hein, c'est normal. Pas... Voilà, il y a Mildew qui est pas loin de sortir. J'ai fait un petit tremplin, moi. Hein. Et ça marche vraiment, ton tremplin là. Bah, je sais pas. Il faut juste... Hunter. Il faut juste utiliser le l'espace. Là, vous restez au niveau du sol. Appuyez sur espace... non, c'est quoi? Contrôle ou shift, je sais pas. Contrôle, c'est pour descendre. Et si tu te mets en face, elle braque, là où braque pas très bien les motos. Voilà, Mildew, il est sorti, Mildew. Les motos, elles braquent pas très bien. Complètement. Oui, c'est exactement ça. Ah, ça y est. Bon. Je suis en roue avant, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, il n'en manque plus. Ça y est, voilà. Ça y est. Putain, ça y est, le gang des motards. C'est trop beau de vous voir voler en même temps. C'est génial. La tête, ça manque de fluidité du coup. Ouais. Moi ça va. C'est enfin, très peu fluide. Une bonne mais... Voilà, ils ont les mecs, ils peuvent pas non plus faire tout en même temps. Le netcode est pas. Oui, bah, c'est sûr. Si le jeu était terminé, ils pourraient optimiser déjà c'est ça, le c'est jeu en lui-même. Pourrait mieux. Et le après, on est 4. Si tu joues à 2 déjà, ça c'est plus simple. Mais quand tu bouges pas et que tu vois les autres, effectivement, ça fait un petit balai aérien. Oh, j'adore. Tu vois les motos couler, mais les mecs dessus sont invisibles. C'est vrai. La moto qui bouge toute seule. Alors, je propose de faire un petit. Regardez-moi ça, le bord de la planète, hein, pour ceux qui n'ont jamais vu. Déjà, il y a une grotte de ouf. Regardez-moi ça, les planètes cubiques. Bon, la lumière change un peu brutalement. C'est d'une bonne. Du coup, on retourne à la base secrète. Alors, on va retourner à la base. On va pouvoir y aller très vite d'ailleurs. Putain, je te vois faire un bond là du. Des cabrioles. Alors, sur la carte, nous allons donc au nord. Donc, où est-ce qu'il y a les. C'était les corons. Alors il est où moi? Non c'était... Bah si c'était exactement là où j'allais en fait. Une moto toute seule là, c'est normal. Faut aller par dessus le bord qui est ici. Ouais, j'ai enlevé la carte parce que c'est trop beau de vous voir faire. C'est là qu'il faut franchir effectivement. Putain. Mais c'est trop bien. Parce que moi forcément le jeu je l'ai rincé tout seul et... Mais c'est pas les mêmes sensations à plusieurs hein. Mais ouais et c'est... je trouve que c'est parfait de le faire d'abord tout seul pour bien voir les mécaniques et tout. Et qui fait son. Là, il y a des bâtards là, non? Là, à gauche, il y a des méchants là. Ouais, il y a des petits villages avec des mecs et tout. Non, mais il y a des méchants là, il y a une zone avec des fils de pute. En tout cas, on va. On est où? On va. Ah non, c'est pas le bon endroit. Là, c'est des fils de pute là. Faut aller à droite. Je me suis perdu moi. Des archéoïdes et tout là. Faut aller à droite, les amis. Je me suis trompé de face, je crois. Mais là, il y a plein de fils de pute. Qui même me suivent? Bah y'a des mecs un peu partout sur la planète. Oui mais y'a des gentils et des méchants, y'a les deux. En tout cas c'est par ici, on va refranchir le bord. Oh là 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 là. Et ce qu'on va faire après c'est qu'on va se fabriquer ensemble des. Soit des lance-blocs ou des mitraillettes, je sais pas quoi, pour qu'on voit un peu la récolte et le crafting. Et là à gauche on a la porte stellaire. Alors là elle est activée mais je propose d'y aller plus tard. Ouais, on et va on d'abord. On se finira sur une nouvelle planète. Vous êtes de quel côté là? Parce que moi je vous ai perdu. Regarde sur ta carte. Et là faut qu'on aille à gauche maintenant. J'ai un point fixe avec un véhicule avec des barres de vie vides, invisibles. Oula. Je crois que j'ai mon jeu qui a un petit peu bugué. Non, c'est plus au nord. Y'a un gros souci. T'as un problème d'affichage? Ah ouais, j'ai des barres de vie qui flottent dans l'air. Hein? Bah normalement on voit les barres des autres quand on est bah c'est bon. Ça ouais. Alors, il est où? Il est là le terrier. Vide, hein, y'a personne dessus.
Moi je vais sur le terrier, j'arrive tranquillement. Moi aussi je pose ma moto proprement pour ne pas la perdre, je descends, hop. Et voilà. Ah, ça y est, je te vois. Et je vais aller parler à Orko. Mes petits potes qui arrivent. Oh si je regarde Mildew qui se pose. Oh oui, c'est comme dans Minority Report ou je sais pas quoi. Hop, moi j'arrive de l'autre côté. Il fait une... Je t'ai vu faire une cabriole parce qu'il y a un rocher sous toi. Oh merde. Je vais aller ailleurs poser. Excellent. Ah merde, je suis mort. Qui s'est posé. Oh non, là. Il y en a un qui est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombé de trop. J'ai fait un coup de jetpack, du coup je vais réapparaître. Oh le gogol. Dans le donjon de merde. Putain. Ah ouais. On va taper la route à pied. Mais heureusement qu'il y a des... Si, il reste des motos à l'intérieur dans le. Mais non, elle est en vrac dans l'ascenseur. Merde. Hunter, il l'a niqué avant de se barrer. La dernière moto, il l'a foutu dans l'ascenseur. Il l'a... Oh le salaud. Bah, il y a peut-être quelqu'un qui peut aller te chercher à moto parce que c'est vite fait le trajet. C'est 15 fois plus rapide. Je peux pas monter dessus. Tu crois? Tu peux te poser à l'arrière quand même? Elle est assez grande. Moi j'ai essayé l'autre. Je crois qu'on t'entend plus, Arnaud. Comment ça? Ah si, on t'entend. Si, si. L'héroïne du jour, ça c'est moi, donc Orko, il est content, on a réussi la mission. Beau boulot à la raffinerie, autant pour ton frère que pour la rébellion. Xander m'a raconté que vous avez attaqué ensemble, mais j'ai l'impression que tout le mérite te revient. Bah, d'ailleurs, depuis que tu as rouvert la porte stellaire, on a pu entrer en contact avec la rébellion sur Istara. Parce que nous, sur notre planète, il y a déjà un petit peu d'envahissement d'ennemis, mais sur une autre planète, c'est encore pire. J'ai pu discuter avec le général Nather, notre leader. Quand je lui ai raconté tes exploits, tu sais, reprendre deux forteresses ennemies, sauver la planète, tout ça, il avait l'air assez impressionné, tu m'étonnes. Du coup, il a demandé à te voir afin de te remercier en personne. Il est sur Istara, je vais marquer la position de la porte stellaire sur ta carte, on est déjà passé devant. Puis un rebelle te guidera. Et il y a un pote qui vient lui faire un bisou. Putain, je suis pieblo parce que l'ascenseur il est en haut. Ah oui, merde. Tu peux l'appeler. Faut qu'on vienne t'aider. Parce que tu arriveras là-bas, donc il y a quelqu'un qui va nous guider. Et dernière chose, ton frère a entendu une discussion avec le général, puis il est parti en VSS. Je suppose qu'il a dû se rendre sur Istara aussi. Donc Xander il est parti là-bas. Mais je vais aller chercher. De notre journal pas, de quête, vous voyez. Il n'y a pas de bouton rendez-vous pour sur rappeler l'ascenseur en bas. Je n'aurais jamais pensé que quitter cette planète. Bon, pour être honnête, il y a quelques jours, je croyais même ça impossible. Je me demande ce qui va se passer là-bas. Et ça, c'est quoi un splash? Elle n'a pas encore la recette. Donc ça, je crois que c'est des munitions explosives ou quelque chose comme ça. Donc en tout cas... Ah, il veut encore me parler, lui. Attends, avant que tu ne partes, il y a un service que j'aimerais te demander. Je suis désolé d'abuser de ta gentillesse, mais c'est à propos de mon cousin. Il a disparu. Tu dois comprendre ce que je ressens mieux que quiconque, puisque nous on avait perdu notre frère. Son nom est Phileas, c'est un chercheur. Dans un des observatoires, nous avons perdu le contact il y a peu. Et mes éclaireurs me rapportent une attaque sur cet avant-poste. Pourrais-tu y aller et chercher une quelconque trace de là où il pourrait bien être? Donc ça, voilà, quête secondaire, on n'est pas obligé de la faire. Hop, elle s'est ajoutée, vous voyez, et on peut activer celle qu'on veut pour pouvoir la voir à vol d'oiseau. Hop, je vais suivre, bam, elle a remplacé l'autre à gauche, et voilà. Bref, nous on va pas partir sur ça. Ah si, d'ailleurs, je vais remettre l'autre d'ailleurs. Celle-ci, il nous manque juste de l'explodine. De l'explodine, j'en ai pas de ça? Moi j'en ai pas. Balai. Lazérite, réversine. D'ailleurs, on va faire un petit classement. Par famille, ça sera beaucoup plus simple. De la stellarite, réversine, non, explodine, on n'a pas. Je vais regarder dans le codec justement parce que c'est d'une praticité. Explodine. J'arrive. Au-delà de 300 blocs sous la surface de Merx. 300 blocs. Ouais. Moi j'ai pas de gants alors ça prend. Sinon je peux faire ça mais. Ah merde, alors le gant on le fabrique dans quel magasin? C'est un des premiers. Bah il faut des minerais en fait. Alors le gant c'est où? Moi je suis là où il y a toutes les machines. Qu'on puisse te fabriquer un putain de gant. Et on a le fusil maintenant. Très bien. Et là on a quoi? Ok. Tu veux un coup de main du coup? Parce que moi je suis là. Ouais. Bah est-ce que t'arrives à faire descendre l'ascenseur? Il y a une entraide qui se vient de se créer et moi je voudrais aider Mildew à se faire un c'est gant. Ça, le truc. Alors je comprends plus.
fermer la porte. Oui, le magasin. C'est dans le village. Je suis en dessous l'ascenseur. Ah, mais l'ascenseur, il est en vrac. Moi, je le vois, il est de travers, dans en fait. Minage. Il peut pas redescendre, il est bloqué. L'établi. Alors, j'ai de quoi te le fabriquer. Mais pourquoi on n'a pas d'établi ici? Je vais voir si je peux me faufiler en dessous. On a une forge. On peut pas casser les blocs. Établi. Je me demande si je peux pas me le fabriquer, l'établi. Dans mon inventaire, on peut fabriquer des choses. Si, je peux faire un établi. Ah, j'ai plus assez de place. Là, c'était bloqué. Alors, je vais vider mon bordel pour te fabriquer un établi. Mandragore, on en a besoin. Ça, on s'en bat. Ça, on s'en bat. Je peux... La lumière, c'est bien. Ça, on s'en fout. Pas besoin d'avoir du granit. Ça, ah, peut-être en faisant comme ça. Mais j'en ai deux des gants. J'ai déjà un gant. T'as celui de Mildew alors? Tu l'as récupéré déjà? Je sais pas, ou si j'en avais refait un. Mais en tout cas, j'ai un deuxième gant, je peux te le filer. Ah bah. T'es loin? Tu crois que je me suis trompé de sac à dos? Non, non, tu l'as fait volontairement. Avec toi, tu l'as fait par vous. T'as un mec de chez Merx. Ouais, c'est clair. Ah, c'est bon. Ah, ça y est, il bouge. Qu'est-ce que je voulais faire? J'ai réparé l'ascenseur. Ouais, mais du coup, j'ai mis des blocs, faut que je les vire. Ils empêchent l'ascenseur de descendre. Ouais. Oh là, il y a un trou devant. Quelqu'un a fait un trou devant les escaliers. J'enlève les blocs. Pourquoi il y a un énorme trou là? Du coup, la moto, je l'avais démontée moi. En bas de l'escalier, c'est pas pour. Je vais essayer de la reconstruire. Ouais, c'est pas pour. Quelqu'un avait fait un trou devant l'escalier, je suis tombé. Non mais les. Il y a pas besoin de quêtes secondaires dans ce jeu puisqu'on les a fait nous-mêmes, hein, là. Hein. L'ascenseur, il est là-haut. Je vais prendre les marches. T'es près du terrier, Mildew? Comment ça se construit? Non, je me suis perdu en moto. Faut mettre un truc qui. Merde. Alors je vais regarder sur la carte. Faut mettre un truc anti-gravité. Ouais. Où est-ce qu'il est le coco? Auto-jet. J'ai ça, j'ai. Alors. C'est peut-être dans une zone que j'ai pas explorée, du coup je peux pas te voir sur la carte. Non. Véhicule, je vois un véhicule qui bouge là, c'est toi non? Ouais, c'est moi ça. Voilà, l'ascenseur. Alors t'es au milieu, il faut que t'ailles sur à l'est. Par là, ouais. Plus encore. Voilà, putain. Non, là tu vas trop au sud. Ah non, c'est bon, l'ascenseur arrive, je vais pouvoir remonter. C'est pas ici qu'il faut que tu tournes, Mildew. Pendant ce temps-là, toi, tu dois remonter une moto. Mildew, tu vas pas sur la bonne face. Ah bon? Je sais pas du tout comment on fait. Tu retournes vers Arnaud et l'autre gogol. Eh ben, Hunter, il a défoncé la moto. Donc la moto qui, normalement, j'aurais pu utiliser, elle est en vrac. Elle est en pièces détachées. Vous pouvez la refabriquer. C'est oui, mais c'est pas comment c'est on moto fait. En kit. Dans le codex? Non mais ici, moi je sais, j'en ai déjà fait une moi. Ah je remonte. Faut la mettre comme ça. Il faut mettre un bloc d'apesanteur et après dessus tu mets le siège et derrière tu mets le... Continue tout droit Mildew, impeccable. Par contre faut les mettre dans le bon sens. Faut faire tourner les blocs pour les mettre dans les bons sens. Et donc il va arriver par ici, on va le voir débarquer. Sinon tu t'en occuperas parce que je pense que là... Si tu veux. Attention, pose des blocs, le suspense, mais on le voit, ça y est, il est sur la même face. Eh bien, je vais ressortir pour te filer un gant. On sent la musique de victoire, la musique glorieuse, tu vois, est-ce que j'arrive à sortir de mon... Je peux t'attendre mon... de rat. Je pose du bordel. Tu veux m'attendre quoi? Au niveau de la porte, des étoiles. Moi, je suis au terrier, là. Rendez-vous. Je vois ta moto. Alors, elle est où, ma moto? Celle-là, elle vole pas. Il ne faut pas partir sans son véhicule. Comme ça. Allez, elle est niquée. Truc. Alors, Mildew. En fait, des os là et mets les pièces détachées, est-ce que je peux pas le... Ah si, c'est bon, je peux le prendre. J'ai deux cockpit. Si ça intéresse. Cockpit. Bonjour monsieur, vous voulez un gant ou pas? Oui, Ah, je voulais poser... Ah voilà. Je pose des caisses comme ça on peut. Non mais en mais fait tu on peut pas mettre de trucs dans ces caisses là. Ah bon? Non c'est juste des objets ça. Je suis en train de faire mon inventaire là pour voir. Alors, je vois que c'est
Bloque les héros de MotoJet. J'ai jeté un gant, normalement tu l'as. Tac. Oui, je l'ai, merci. Trop bien. T'as besoin d'autres trucs? C'est ça. Voilà. C'est ça l'antigrave, parce que du coup ça peut pas marcher si t'as... Par moi. Du coup j'ai mis un deuxième moteur. J'ai rien du tout. Mais il y en a deux. On va faire fabriquer des trucs, des flingues ou je sais pas quoi. Oui, il y en a, ouais. J'ai un. Le flingue, tu le perds pas. Ah d'accord. Je t'ai mis les lumières pour que ce soit un peu boosté. Le gant et tout le reste. Ça marche. C'est quand même encore des munitions. C'est ça qui est bizarre. Alors, hop. Ouais, c'est fait exprès. Quand tu meurs, tu perds pas tout. J'ai vidé mon inventaire un peu, mais j'ai pas... Alors, objectif, les amis. Qu'est-ce qu'on fait? Je fais une moto parce que sinon elle était cassée. Par ma faute, ouais. Elle a été... Bon, faut aller voir comment ça fonctionne. Quoi. Alors. King of Splash. Il nous faudrait de l'explodine. On fait peut-être ça. Donc là, c'est pas mal, ça. Ouais, donc il faut aller... Mildew, on va s'occuper de ça. Ouais. Il faut qu'on aille 300 blocs sous la surface. Alors, donc là on va se faire une petite quête secondaire, Making a Splash, il nous manque juste de l'explodine, donc il faut aller explorer les profondeurs. Voilà. Pour trouver le matériau en question. Hop là, j'ai deux moteurs. Donc, fait, ça on va prend aller. La moto ah, on parle, et bon. On se cherche une faille. Et ben on vous rejoint, vous faites quoi alors les gars? Ça y est, nous c'est fait. Ouais. Nous on part avec Mildew, on prend nos motos, on se trouve une faille et on va chercher de l'explodine. Donc vous allez faire quoi? Vous allez faire des lance-blocs? Non, on va faire la quête Making a Splash. Et bah nous on va faire un lance-bloc alors, Hunter. Et bah voilà, ouais. Donc là on part tous en crafting. Alors comment on fait un lance-bloc? On va regarder ce qu'il nous faut. Ouais. Merde. Je cherche un bel endroit pour descendre. Lance-bloc, un lance-bloc. Non, faut pas se mettre au bord. C'est il nous faut armature en feroxyde. Électrum. Donc on part. Il faut de la feroxyde et du charbon. Ouais. Dans les mêmes grottes. Du minerai d'électrum. Bah ça c'est bon en fait. T'en as du minerai d'électrum? Bah je crois oui. On s'est cogné. Je peux pas accéder à mon inventaire là. Ça fait tomber ma moto. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un trou ouais, ici. Ouais ça bug, je suis d'accord. Ouais. Parce que t'es sur la moto, c'est pour ça. Quand t'es sur la moto, tu peux pas regarder l'inventaire. C'est de la feroxyde, c'est ça? Ouais, je suis coincé par la moto bécane. Non mais feroxyde, il va falloir qu'on en chope. Ah je te vois. Tu me vois plus? Où est-ce que tu es? Je suis sur ta gauche. Ouais. Alors, du coup, pareil, on regarde du coup. J'adore voir quelqu'un se déplacer. Hop, putain, mon lance-bloc. Moto. Donc, on disait feroxyde. Feroxyde, ça se trouve où? Certains rochers à la surface. La feroxyde. Derrière, il y a la porte. Donc, faut creuser tous les rochers à la surface. D'accord. On va rentrer. J'espère qu'il y a quelque chose. Et bon, bah. Je vais voir s'il n'y a pas de quoi vider mon inventaire dans. Et l'électrum, c'est pareil, c'est dans les profondeurs. Ouais, dans les tiens, bonne blanches. Idée de se vider, effectivement. Très bonne idée. Je vais faire okay, pareil, parce que j'ai plein de trucs qui servent à rien, des caisses. L'électrum, c'est dans les roches à la surface. D'accord. Des conduits de bon, merde. Bah, je vais faire ça, alors. Propulseur cassé. Non, on va faire ça. Un écran. Les deux. Et après, on ira dans le sous-sol pour chercher le... Les barils, ça c'est la déco, armoire. Donc on en chope plein. Ouais, bah ouais. 25 000. Armoire, matériel. Ah bah non, je retourne mon à la charbon, base. Ça c'est très bien. Pour aller récupérer mon sac à dos. Je te rejoins. D'accord. Okay. Rien sinon. Il faut de la fourrure, la feroxyde, on en a besoin à fond. Nous aussi, il nous faut de la feroxyde, les gars. Et ouais. J'en ai un tout petit peu, moi. La brique, on s'en bat. La brique, on s'en bat. Et y a la vitre, on s'en bat. Alors, la vitre, ce qui est bien, c'est que ça permet de se protéger tout en ayant encore un aperçu sur la menace, quoi. T'as trouvé un récipient? Tu jettes ça? Ouais, je balance tout par terre parce que j'en ai pas besoin. Plaque de métal, des caisses, des machins. Là. 3000, 5000. Et la lumière, je garde. Bam. Voilà, je vais par là, moi. Mandragore, on en a besoin d'ailleurs. Mais voilà, je suis con, je peux me fabriquer des medikits, moi. Ah, faudrait que je m'en fasse, moi, parce que alors là. T'as besoin de quelques medikits. Chaque chose en son temps. Mais oui, voilà. On va récupérer l'essentiel. Hein oui. T'en as besoin, Mildew, de Medikit, t'en as ou pas? J'en ai pas. J'en ai 12, je vais t'enfiler. Ah ouais? Je vais t'enfiler. Et la bol terrier. Hop, avec le petit shift clic droit, on peut diviser par deux et bam, je te donne la moitié. Ah, ça divise par deux et après tu peux même choisir la valeur. Si ouais, tu ça c'est bien. Ah ouais.
C'est vachement bien comme truc. Bah écoute, on part dans les profondeurs ou quoi, mon petit pote? Bah ouais, par contre, j'ai pas de vie et j'ai pas... Bah t'as des medikits, tu peux te refaire de la vie? Qu'est-ce que tu me racontes? Ouais, mais ça... C'est pour Là, tu te fous de moi. Parce que normalement, ils apparaissent là. Comme ça, je vais me lier dans la base. Ah non, mon sac à dos déjà, je vais le prendre. Alors, Explodine. Donc là, on part dans les grottes, vous voyez ça, un petit peu? Ouais. Il y a des méchants là, je crois. Oui. Alors, mon sac à dos, il est de l'autre côté. Des putain d'arculoïde. T'en trouves, toi, un peu de ferroxyde, Hunter? Pas du tout. Pour l'instant, j'en ai pas trouvé. Faut que j'aille un peu ailleurs. Hop, petit coup de lumière. Alors, est-ce que j'en ai, moi, de la ferroxyde? Je prends la D'ailleurs. Merde. Je le fais au bâton. Yeah. Minerai de ferroxyde, j'en ai 20. Ah, on peut pas buter. Qu'est-ce qu'il fait la moto? Oh punaise. Bam. Alors ça c'est quoi, Stellarite? Et là du coup on kiffe la musique zen quand t'es en mode creusage de blocs. Ouais. Effectivement. Un côté très très hypnotique, très très zen. Bah, c'est ce qui rend la cette phase qui peut être fastidieuse parfois si on a besoin de beaucoup miner, qui la rend presque beaucoup apaisante. Douce, agréable, ouais, tout à fait. Ouais, c'est ça, il y a un truc très hypnotique. Hein. Donc, très bien choisi. De faire. Tout l'aspect artistique du jeu est réussi. Hein. Alors d'ailleurs, moi je suis en train de me perdre comme un con. Méchant. Il faut qu'on se mette des lumières sur le côté un peu là. Mais comment que ça se fait? De quoi? Rien. J'ai fait un chemin de lumière. Il est plein. Ah mais c'est ça. Bah viens là à la base ici là, viens virer toutes tes merdes. Ça, là on est à deux. À la base, le terrier, la base des. Bouquette. Des rebels. Là il y a quelque chose là. Ah. Ça c'est du charbon. Je suis point là-bas. Ah, contre, j'ai plus rien, j'aime pas. T'as plus de quoi? J'ai plus de munitions. Ah merde. J'ai mon Est-ce bâton, que je mais... peux en fabriquer sur moi-même? Non, je crois. Mais il faudrait que je. Ouais, on peut faire un établi. Merde, j'ai jeté mon bois, je crois. Moi, je crois que j'en ai un établi. Non? Parce qu'avec l'établi, je crois que tu peux faire les munitions. Donc là, on pourrait, si on a les matériaux, moi, je crois que j'ai. Ferroxyde. Ah, j'ai pas, non. J'ai très peu de laser. Je vais aller raffiner la ferroxyde. Est-ce que j'ai du charbon? Ah, il faut du charbon aussi. Il faut aller plus profond pour avoir de l'explodine. Moi je laisse la laserite parce qu'elle m'éclaire. Et je vais mettre des blocs pour me repérer. Il y a un machin qui s'approche de... Ouais. Même en... Mais relou. Moi j'ai pas de munitions. Moi j'en ai 29. Ah ouais, tiens, on a là. J'en ai 29. Il nous en redonne ou pas des munitions? Ouais, j'en ai tué deux là. Attends, des bruits qui me font peur. Tu fais quoi du coup, le Hunter? Je récupère les minerais de ferroxyde. Du coup. On voit... D'accord. Ah, oui, là il y a quelque chose aussi. Hein, on voit les minerais à travers là. Ça c'est précieux. Et j'entends un salaud qui va me faire chier. Ouais, il y en a deux, je crois. J'en ai vu un. Ah, Electrum, c'est cool ça. Ah, nous, bah, je crois qu'on cherche les mêmes ingrédients en fait. Au bah, final. Comment ça? De la ferroxyde et d'électrum. Non, non, moi je cherche de l'explodine, mais c'est juste que quand il y en a devant moi, je la prends. Ah, bah du coup, tu pourras nous enfiler. Non. Parce que nous, l'électrum, on aimerait bien, nous. Oh, on a la nôtre, vous vous démerdez. Alors, je fais un chemin de lumière pour pas se perdre. Papillon voilà. De lumière. Alors, est-ce qu'on peut mettre un bloc sur un animal? je crois bloc sur un animal. Il me semble, non? Bah, je sais pas, j'ai pas essayé. Les conditions de réparation sont idéales pour pas mal d'informations d'explosion. Donc, l'explosine, ça doit être à moitié jaune. Je sais pas si on est assez profond là, je suis pas sûr. Bah, je me rends pas compte. Alors, viens là, petit lapin, je vais te mettre un peu de. Je vais te mettre de la craie dans le dos. Explodine, je sais plus la tête que ça. Ah non, ça pose en dessous, mais pas sur lui. Quoi, là, y a... On ne peut pas faire muter un animal en le fusionnant avec un bloc. Ah, c'est dommage. Ouais, c'est clair.
Mais t'imagines la rage. Bien sûr, il y a des raccourcis clavier pour aller vite d'un truc à l'autre. Mais là, je n'ai pas. Ah, j'ai réussi à me coincer. Je te vois. Là, je suis allé tuer deux gars en fait, qui étaient un peu planqués. Et... Ah, bien joué. Je... Et bah. Moi je décanille parce que j'ai envie d'aller par là, moi aussi je suis un peu bloqué là. On dépouille, on peut tout dépouiller et on peut faire des plateformes. Oui parce qu'en plus pour dépouiller il suffit juste de rester appuyé sur le bouton, ça clique quoi. Ouais, ouais ça, ça c'est... pas de gants, il faut tout en chef. T'en as un, je croyais que Nico il en avait deux. Non non mais maintenant j'ai un gant. Ah oui. Ouais t'aimes bien te faire chier en même temps. Il y a 5 minutes, c'est l'horreur. Ce serait drôle, le mec il a un gant mais il s'en sert pas en fait. Voilà, là il est viré, hein. Il est viré du groupe immédiatement. Viré du gang. Je peux faire une petite plateforme. Toi, un petit passage. Parce qu'il y a des mecs, c'est pour ça je les. Voilà. Ah merde, non, l'autre est pas mort. Il est où? Il est là. Il bouge pas. Il a pas fait gaffe. Ah bah nous, il redonne de la laserite qui va justement nous permettre de faire des munitions potentiellement. Quand on a le gant, paf, on voit le laserite. Alors, on va en faire aussi, moi je suis pas mal, je pense. Alors, regardez-moi. Je vais faire plein de lumière. Sinon, 831. Ah, il faut bien penser à regarder derrière. Voilà, on est bien, on est bien. Maintenant, ouais, faudrait qu'on... retrouver son chemin. Tiens, ça je balance, ça je m'en fous. Ça c'est du week-end, m'en fous. Il est où? Il est là. Et il est mort. Ah, j'ai 13 medipacks. Donc. Ah. Fais-toi plaisir. Hop, là, alors je te rejoins, on va se trouver une faille et on va les creuser pour trouver de l'électrum. Ouais. Il y a des liens qui m'ont trouvé. Ah, attends, t'es où? Je te vois plus, pourquoi je te vois plus? Il y a des mecs qui t'ont trouvé. Là il y a des qui redescendent là. Ah, c'est ma moto est à l'envers. Je sais pas où t'es plus bas que moi ou t'es au-dessus? Par rapport à toi. Merde, j'ai pas entendu le mot. En hauteur. J'en ai en tué hauteur, un mais l'autre. T'es là, c'est bon. Alors, toi t'es là, je crois qu'il y a des failles par là, j'en vois une moi. Juste ouais, là, là, devant toi. Ouais. C'est propre. Ouais, je vais me poser. Hop. Allez, je veux de l'explodine. Ouais, ça c'est bien jaune, ça se voit bien normalement. Hop là. Et on sent ce truc si on pense. Je suis à droite de l'arbre, mais assez loin de l'arbre. Ah là, on est rentré, on se dit putain, c'est loin. Okay. Et on a peur. J'arrive. C'est pas là que t'avais vu les failles si? Non. T'as dit quoi, Milt? C'est pas là que j'ai vu les failles. Ah oui, il y en a une juste à côté, de toute façon, elle se rejoigne sous terre. Hop. Je me gare. Est-ce qu'on a du Lumibloc? Je te vois même plus, Mildew. Lumibloc, j'en ai quelques-uns. Ah non, t'es là, d'accord. J'en ai, ouais. J'ai du bleu, du rouge, j'ai toutes les couleurs. Oh bah. Du. Ah, non, c'est quoi? Du gris. Il y a des putains d'araignées de merde là. C'est quoi les trucs rouges? On est parti? Les trucs rouges, ça, donc, c'est de la laser. C'est parti pour l'électrum. Ah bah oui. Alors attends, juste je regarde sur le codex. L'électrum, il nous disait. Minaran, ah oui, la vache. T'as des médicaments? Il y a des menaces. J'en ai, ouais, je vais t'enfiler. Alors, ouais, parce que là, je suis la lumière. Dans les roches blanches sous qu'on terre. Soit pas. D'accord. Alors, hop. Mais bon, mais il n'y en a plus beaucoup de la lumière. Si je crois que j'en ai d'autres. Non, il n'y a pas d'araignée, moi. Tiens. Ah merde. Là-bas derrière. Ah, et là aussi j'ai vu du minerai sous tes pieds. Quoi, ça veut pas se récupérer? Creuse dans le bloc. Ah, je te vois. Je suis juste derrière toi. C'est là, bon. C'est bon, là. Alors, merci. On fait la lumière. Je vais tout de suite m'en servir. Du demi-bloc. J'ai plus de lumière, j'aime pas. Voilà. C'est quoi ça? Quel tour? Non, c'est la lumière. Alors, je fais gaffe, voilà, est-ce qu'on est le chemin derrière nous? Alors, je te laisse prendre la laserite, Mildew. Ouais, où ça? Tous les trucs rouges que tu vois? Oui, d'accord. Ça, c'est quoi, Christ? Ouais, c'est pas terrible comme lumière. Ah, il y en a une autre araignée là. Alors, attention. Moi, j'ai. Elle est où? Plus bas là? Juste là, ouais. Il y en a même deux. Merde, je suis tombé dessus. Je voulais pas. Merde, elle est. Allez, protéger. Tac. Alors, voilà. Donc, j'ai mis un petit plot rouge pour se repérer que c'est ici qu'on a fait. Ouais. Merde, j'ai plus de munitions. Oh non. Tac. Voilà. Comme ça. Les balance pas tous, hein. Garde-les pour en dessous. Hein.
Oui, oui, ok, bon, bah je vais attendre. Récupère les autres parce que c'est sous terre hein, donc on va en avoir besoin. Bah, y a pas d'explodine en plus, donc moi je préfère rebrousser chemin et aller de l'autre côté à la limite. Hop. Allez, allez, c'est hop. Bizarre qu'on en ait pas ici quand même. Non, je sais pas ce que c'est. Lumière. Oh merde, toi, presque. Tu le ramasses pas. Plaza. Ah, y a des. Wow, trop bien ça. Ah j'ai pas de munitions, je m'en suis pas faite. Ah ma journée moi. Je suis débile. Ils sont les nuls. Parce qu'il y a un lumibloc, enfin. Ouais, il y a plein de trucs que je ramasse pas, je sais pas où ça. Bah parce que tu dois être. Ah, là t'es dans la direction ouais. Ah merde, l'araignée elle est là. Voilà, il y en a plus. Je peux plus tirer non plus hein. Ah, il y en a un autre. Ouais. Mais putain, il y a que la laserite. Comme ça toi tu mets la lumière, moi je nique les mecs. Ouais. On est dans les roches blanches hein, faut creuser, regarde là. Ah oh, putain je les lumibloc. Finesse on voit absolument rien. Moi j'en ai peut-être. Tac. J'en ai un ou deux moi. Arkéloïde. Il est où? Il est juste là au-dessus. Voilà. Là, juste à côté de toi. Il lâche par terre. En dessous. Ah c'est là on a commencé à creuser, ouais. T'as lâché quoi? Viens là mon petit. Viens là mon petit. Ah tu me donnes des. Ah merci. Tiens. Tac. Tiens moi j'irais bien là-dedans d'ailleurs. Allez c'est parti. D'accord. Tu veux pas t'en servir? Donc là on récupère quoi? L'électrum. D'accord. Alors est-ce que c'est mieux par là? Merde j'en ai mis deux. Gaspillage. Gaspillage. Ah merde j'ai ramassé un. Putain, y'a pas d'explodine! La mission de merde. Ah, je mets du rouge. Comment on sait la peau? Bah, j'arrive pas non plus à me repérer, ouais. Oh, ma molette, elle marche plus, quoi. Bah. Écran noir. Ah, oh, je vais cracher. Connection lost. Je relance. Terminé où t'étais, mais sans inventaire. Oh putain. Oh non, ça serait. Le truc de ouf. Horrible. Oh, l'explodine. Non, si, je crois. Ah, mais y'a des araignées, putain, c'est chou. C'est qui a des toulous? Bleu à bleu. La sonnette, c'est quand quelqu'un se connecte. Ah. Oh, je les ai niqués. Ah non, les une seule. Eh, quelqu'un a sonné, ouvre-lui la porte. Oh. C'est vrai ça. Ah, j'aime pas, j'ai peur. Voilà. Allez, on recommence. Je crois la que c'est creusette. Juste hyper profond en fait l'explodine. Je crois que c'est hyper profond, ouais. Et je me fais chier avec des araignées là, ça me saoule. Mais peut-être que nous aussi, ça sera peut-être plus profond hein, l'électrum. Ouais. Ça y est, j'en ai enfin trouvé. Ça me paraît facile. Non, c'est du. Si. Putain, j'ai cru que c'était. Il m'en faut encore 50. Ouais. Oula, j'ai été téléporté quoi. Non, je te vois encore, mais j'ai des systèmes de blocs. Je te vois pas, Nick. Je suis un peu plus loin peut-être. J'ai continué à avancer, j'ai mis des lumières rouges. Ah ça y est, je t'ai vu. C'était vraiment... Il y a eu un... Ouais, j'ai fait un virage et j'ai bien fait parce que j'ai enfin trouvé de la putain des... C'est bien que les couleurs soient différentes parce qu'au moins je savais où t'étais. Ah yes. C'est un hasard, mais... un hasard heureux. Alors, cette araignée me fait chier, elle aussi. Franchement, elle va creuser. Changer de couleur de temps en temps. Et du coup, quand on arrive sous-sol, c'est plus la même musique, on n'est plus dans l'ambiance bucolique. Hein. C'est cristallin, c'est mystérieux. Tout tripant. C'est jaune, le... Ouais. Ah, il y en a un peu là. J'en ai enfin chopé. Ah bah oui, t'en as pris aussi. Il en manque plus que 20. Là, il y en a aussi au bout du couloir, mais il y a des putains d'araignées qui me font chier. Pas d'araignées. Alors, je les enferme dans des. Dans des murs. Je crois que je suis impeccable. Je suis assez content. Je suis assez content d'utiliser le système de construction. Making a splash. Récolter l'explodine. Ah bah ça y est, on a. Faut parler à Trichiat. Ah ouais. Et bah comme je suis sur place,
que je me suis fait chier, je vais finir mon explodine quand même. Et après, on peut remonter tranquillement. Du coup, on voit en bleu le petit objectif, on le voit aussi, nous. Ouais. Ah oui. C'est dommage, moi je vois pas le vôtre. Ah oui, mais c'est pas une mission secondaire. Nous, c'est on l'a créé nous-mêmes. D'accord. C'est pour ça. On va chercher plus bas, peut-être. Hein. Ça, c'est quoi ça? Minerai d'électrum. Eh ben voilà, regarde. Il y en a. C'est précieux. Un tout petit peu. Mais j'allais dire, on va plus bas. Oui, mais comme quoi... On est à la bonne hauteur. Plus bas. On est, ouais. Alors moi, je me souviens que j'étais allé, donc à un moment, vous avez des mini-planètes à explorer. Ça, c'est génial. Il y a un design à chaque fois qui est ouf. Et dessus, il y en avait une avec un espèce de truc nucléaire. Radioactif. Et en fait, c'est des milliers de lumières. Et du coup, après, pendant tout le reste de ma partie, j'étais tranquille, j'avais de la lumière à presque infinie. À l'infini. Bon, par contre, elle était verte, donc ça te colore tout en vert. Mais c'était archi pratique. Chercher quand même. Les blocs blancs, c'est chiant. Mais ouais. C'est sûr. Et là, il y a quoi? Oh, il y a des autres matériaux. Ah, putain, ils nous ont nargué là avec les le pauvre petit bloc d'électrum. Électrum, j'en ai trouvé là. Ah bah si t'en as, tu pompes tout ce ça, qu'il y a. C'est cool, ça c'est quoi, de la craie? J'ai du mal à miner franchement. Ah moi depuis que j'ai relancé là, ça tourne bien, là, je suis fluide. En même temps avec la fibre. Du ouais coup... mais c'est pas qu'une question de... Pas de gros mots. Là de réseau c'est... Ah. Mildew t'es en train de remonter là? Comment le jeu est branlé aussi pour que ça... Pour que ce soit fluide. Il monte à la verticale. Je cinglais. En tout cas, le fait de construire permet d'éviter un combat, par exemple, si on n'est pas bien équipé, au lieu de crever comme une merde. Là, j'ai bloqué les araignées au lieu de les affronter, vu que j'ai plus de munitions. Ouais, ça, c'est bien de pouvoir... Ben ouais, d'utiliser d'autres possibilités. D'ailleurs, je propose, pour se finir, donc, vous, Arnaud et Hunter, vous avez votre mission à terminer. Ouais. De ensuite se faire des munitions et d'aller sur Istara. Et nous on finira là-dessus. Et puis nous, si on veut, on peut continuer à jouer. Pour la vidéo, on va changer de planète. Il me semble que c'est un bon programme. Ça paraît très très bien, tout à fait. Comment ça se fait là? Il reste une araignée là. Je suis pas content. Une araignée. Par contre, on s'est fait arnaquer sur l'électrum. Hein. Ouais. Il n'y en avait pas. C'est clair. Hein. Il n'y a plus rien. Putain, heureusement que j'ai mis des lumières tout. On a eu un bloc d'électrum et c'est tout. Ah ouais. Il y a des chances qu'on en a trouvé plus. Sans faire exprès. Hey, dans l'eau. Ah oui, toi t'as creusé tout droit, vraiment. Ah, minerai d'électrum, j'en ai plein. Ah bah. En fait. Il y a des arcs de merde. Oh. Je te propose de remonter. Ah, j'en ai 463. J'en ai 400 aussi, donc ça va. Ah bah au final, ouais, c'est bon. On va s'en sortir, je pense. Ouais.